Bien plaît pas, vous avez bien quoi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le concours de blagues 6 avec Amine. C'est un concours de blagues que j'ai fait pendant mon anniversaire il y a un mois. Et voilà, avec mon monteur, on s'est pas trop bien compris à certains moments, donc ça a un petit peu traîné. Mais je suis enfin très content de vous le proposer. Je sais que certains se demandaient où était passé le concours de blagues, mais je vous explique. Après 6 éditions, la 7ème... était très mauvaise. Elle était tellement mauvaise que je me suis dit que le concept risquait de tourner un petit peu en rond. La plupart des blagues avaient déjà été faites. Certaines étaient vraiment foncièrement pas spécialement drôles. Donc j'ai décidé, pour éviter que ce soit trop redondant, de mettre de côté le concept et de le reprendre peut-être un petit peu plus tard. Donc là, je pense que je vais le reprendre soon. Ça fait quasiment un mois du coup que j'en ai pas refait. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, alors à ce moment-là, je comprendrai que ça sert à rien et qu'il faut pas insister. Auquel cas, enfin, dans tous les cas, pardon, je suis content de vous proposer cette vidéo. Et elle est très très drôle avec Amine. C'est un crack. On espère que vous appréciez. N'hésitez pas à partager si vous avez kiffé, et je vous dis à la prochaine les amis, bisous. Bonjour monsieur. Tranquillement. Ouais bonjour. Ouais ça va? Ça va et toi? Ouais ça va super. Ça va. J'ai pas d'idée de blague, du coup j'étais sur blague.fr, sur les 100 meilleures blagues. Ok. Ah c'est honnête. C'est un hibou et un taureau qui se parlent. Le taureau il dit, moi ma femme elle est vache. Et le hibou il répond, oh la mienne elle est chouette. Voilà, désolé pour ça. Bonne journée à tout le monde et joyeux anniversaire, Zach. Il s'est cassé lui-même. Oui, oui. Il avait pas entendu de savoir le verdict. Il savait d'aller se faire brûler. Bah, bien sûr qu'il savait, gros. Bonjour. Oui, ça va quoi? Bien. Ça va quoi, mon pote? Ça va, tranquille, tranquille. Bon, fais-nous rêver. Ça fait quoi un mec sans bras et sans jambes? Je sais pas. Une madeleine. Hein? C'était censé faire rêver ça? Mais j'ai pas compris. Désolé les refs. Mais j'ai pas. Explique! Je sais pas, parce qu'il a pas de bras, il a pas de jambes, ça ressemblait à une madeleine. Et j'allais dire. Non, t'as pas le droit à la parole pour le reste. Oh, je suis des frissons! des frissons de gêne! Mais à la fin, c'est un malade, on dirait, il a dit ah, Zach, Sun, t'as pas 5 euros! tu lui as coupé le micro! Salut mon pote. Ça va ou quoi? Ouais, salut les gars. Tranquille? Yeah. Ouais. Comment je fais pour avoir une teub de 30 cm? Je sais pas. Enfin... Je la plie en deux. Fils de pute. Ah c'est trop nul mais je suis mort. Non là il a été bon, Oh, allô, salut Vortex. Tranquille Vortex. Attends laisse-moi faire ma blague toi. Alors. Vas-y hein, c'est chez toi gros. C'est quoi une piscine remplie d'handicapés? Je sais pas. Une soupe aux légumes. Déjà faite. Non. Mais c'est un flamme. Il est malade ce type. Ouais non mais laisse-moi faire. Il était dans son sable. De ouf. C'est un baiser. Il t'a dit déjà fait, il a fait. Non. Bonjour. Salut Jean-Eude. Est-ce que tu perds un mariage et que tu retrouves jamais? Je sais pas. La petite Maëlys. Oh le bâtard. Amine, c'est il a pas compris. Non, c'est qui la celle? Ouais, j'ai pas compris. C'est. Elle... Attends, Maëlys. Explique-lui. C'est le nom du gâteau? Il y a une petite qui s'est fait gavinaver par un mariage et pendant un mariage et qui s'appelle Maëlys. Ah, et elle vient dans tous les mariages. Bah non. Il a pas compris. Elle vient dans Salut mon pote. Bonjour. Ça va? Comment allez-vous, mon cher Zach Dany? Joyeux anniversaire. Merci, monsieur. Je peux te chanter joyeux anniversaire avec l'accent de Claude François? Tu peux tout à fait le faire. Joyeux anniversaire. Bon, j'ai une petite blague. Vas-y. C'est pédophile. Vas-y. Tu sais quel est le biscuit préféré de Marc Dutroux? Je sais pas. Le petit écolier. Ah, j'étais bien nu, hein? Ah, j'étais bien nu, hein? Eh ah, je t'ai bien vu. Mais Kevin, j'ai une question. Ouais, dis-moi. T'as combien de verres, là? Là, je suis à mon 3e verre de vin, j'en ai bu un à midi. Ouais. Et là, maintenant, je décuve. Quelle est la différence entre Théo et une prostituée? Je sais pas.
La prostituée, ça prend un lubrifiant. C'est tout ? En fait, non, je me suis trompé. Ah, je me suis trompé. L'autre s'appelle Black Drôle ça. Vas-y, on va lui faire confiance. Black Drôle ça, ça va ? Allez, mon pote. Ouais. Bien ouais, tranquille. Ouais. Je mens un peu dans mon blaze. Mais lâche ta blague. La blague, je t'en supplie. Quel est le gâteau préféré de TK78? Je sais pas. Les petits écoliers. Mais putain, on nous l'a fait, je vais t'enculer. Je vais t'enculer, ça y est. Il a fait un remix TK78, putain de merde. Bonjour monsieur. Oui, tu sais que Jean-Marie Le Pen, il avait du sang arabe. Ah ouais? Ouais, sur son pare-brise. Oh le bâtard. Pensez, Amine. Ça va. Ah, la blague, elle est noire. Aïe. Ça va. Eh bah écoute... C'est pour le sport qu'on fait ça. Ah bah c'est pour le sport, je crois que t'es venu en scotcher 2-3 là. Ok. Bonne soirée, monsieur. Bonsoir BX. Voilà. Tranquille, bon gosse. Mon pote, tu vas bien? Ça va. Oh là là, t'as quel âge toi? 32 ans. Ah ouais, je l'ai senti sa mère, je te jure. Oh putain. T'as parlé, j'ai senti 4 gosses derrière. Vas-y, fais-nous rêver, frérot. Vas-y, mon pote. Pourquoi un squelette, il peut pas se suicider? Je sais pas. Parce qu'il a pas de couilles. C'est trop nul, les gosses. C'est trop nul. Mais c'est cassé. Ça me fume. Wesh la Kika. Ouais, ça va les gars? Ça va ou quoi beau gosse? Ça va et moi j'allais dire. Oh le gros égocentrique. Tout seul. Comment Pinocchio a su qu'il était en bois? Déjà fait. Putain, merde. Attends, Amine, tu la connais ou pas? Non. Ok, vas-y, fais-la pour Amine, si Amine rigole, tu gagnes ton seum. Comment Pinocchio a su qu'il était en bois? Bah il s'est masturbé, il a vu qu'il brûlait. Yes. Bah... Ouais, bah je vous aime bien les gars quand même. Hein. Merci de bien nous aimer. Mélanie Pessy HB. Mélanie? Wesh. Mais quoi? Mais comment ça? Surprise. Ça va Amine? Bah ça va, mais tu t'appelles Mélanie? Ouais. Y'a arnaque sur la marchandise, mais c'est pas grave. Bon, le frérot, t'es venu faire une blague? Vas-y, attends. Non, commence pas. Non, wallah, t'inquiète. Avec quoi? Avons-nous... Attends. Avec quoi? Avons-nous... Attends. Mais il va exploser ou quoi? Allez, une, deux... Ah, c'est bon, allez. J'ai mis une fessée. Vas-y. Avec quoi avons-nous bloqué le mur de Shigonshina? Je sais pas. Avec ton ventre. Ah, il m'a mis les larmes. Oh le bâtard. Ah, je m'y attendais pas. On va faire comme la dernière fois, invite Fleury, je lui laisse sa chance. Fleury, ça va, tu vas bien? Ouais, ça va être toi, excuse-moi, Amine. Pas de soucis, mais... Eh, mec, là, t'es au courant que là, je t'ai encore fait une passe D. Imaginons que c'est en plein ramadan, et t'es grave fatigué, t'as pas la force pour faire quoi que ce soit, ni même de manger, alors que c'est l'heure du ftour. D'accord. Vous me suivez? Ouais. Tu dors, et tu te réveilles 24 heures après, donc au ftour du lendemain. Mmh. Est-ce qu'on peut dire que t'as fait un retour vers le ftour? Allez, 50 clopes, allez. Bonne soirée à vous aussi. Vas-y, bonne soirée, Fleury. Demi-tour. Oh
lendemain, il m'avait dit qu'il avait une bête de bois. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ça va, Kabogos ? Salut, papy Johnny. Tranquille, tranquille. Bon, vas-y, fais-nous rêver. Ok, c'est l'histoire de Zach. Il habite en campagne et tous les soirs, en fait, il passe par une forêt où la légende dit qu'il y a un vampire dans cette forêt et malheur à celui qui croiserait ce vampire. Donc ce vampire, il s'appelle Amin. Ok. Un soir, du coup, il rentre du travail, il passe toujours par cette forêt, mais bon, il y croit pas du tout parce qu'il est jamais passé, il est jamais tombé sur ce fameux vampire. Ok. Mais là, ce soir-là, pas de chance, il tombe sur Amin. Du coup, il commence à flipper, il est en train de se chier dessus. Et là, le vampire, il lui propose deux solutions. Il lui dit, t'as deux solutions, c'est soit je te mords, tu te transformes en vampire, et du coup, tu reverras plus jamais ta famille, soit tu te penches sur le capot et je trempe mon biscuit. Quoi ? Du coup, là, Zach, il se dit, bon, bah, je tiens trop à ma famille, pas le choix. Du coup, il commence à se pencher sur le capot, Amin, il fait ce qu'il a à faire. Ouais, et au bout d'un moment, Amin il dit à Zach, vas-y Zach, mais il du tien un peu quand même. Et Zach il dit, ouais, mais quand même, je suis pas pédé. Et Amin il dit, et moi, tu crois que je suis un vampire ? Attends, mais. Ok, d'accord, la chute, tout ça, on a compris, mais. Mais c'est quoi cette histoire de fou que t'as fait là avec moi et Zach ? Là, t'as pété un pont, c'est. C'est quoi ce fan sexe télé ? Il a pété un plomb, frère ! Il a pété un plomb, mais. Ah non, j'avais l'image dans la tête avec toi, Zach, je te jure, là, je suis pas bien là. Et puis tout à l'heure, là, j'imagine la scène là. Bon, ah, non, bon, mais, là. Non, arrête d'imaginer. Hein. Frère, il a dit, je t'ai pris sur un capot. Allez, c'est bon, on a compris. Frérot, je t'ai pris sur un capot. Oui, non, tu m'as pris nulle part. Amine, doucement. Bonsoir. Tranquille ? Ça va et vous ? Ça va. Écoute, ça va super. Vous connaissez l'histoire de la pute dans l'arbre ? Non. Descends, je te la raconte. Quoi ? Ah, t'as parlé à Zach ? Non, c'est toi qui as parlé à Zach. On peut clipper Amine, c'est toi qui as parlé en premier. C'est. Ah, c'est de bon cœur, les gars. C'est Amine qui a parlé en premier, je le dis. Hein, c'est gagnant pour toi, monsieur Amine. Oui. Et ben, voilà, c'est gagné, du coup. Bonsoir. Wesh, les gars. Qu'est-ce qui est transparent et qui court dans un champ ? Je sais pas. Un troupeau de vitres. C'est trop... C'est trop nul. Quoi ? Zach, elle est tellement nulle. C'est trop nul. De la blague. Elle m'a fait tellement nulle qu'elle m'a fait rire. Non, c'est rincé, mais c'est mignon. Elle est mignonne. Mais c'est trop nul. Mais frérot, c'est nul. C'est le but de la blague, frère. C'est pour mais ça. Mais je vais péter un plomb. Comment c'est nul là ? Ouais, salut. Bon, vas-y, fais-nous rêver. C'est un petit... qui va demander à son père, papa, c'est quoi la différence entre le virtuel et le réel ? Son père répond, bah, va demander à ta mère et à ta sœur si elle serait prête à coucher avec un inconnu pour 1 million d'euros. Donc du coup, le petit, il va voir sa mère et sa sœur, il leur demande, il revient vers son père. Il lui fait, j'ai demandé à ma maman et à ma sœur, et elles m'ont répondu que, ouais, bah, pour 1 million d'euros, elle serait prête à coucher avec un inconnu. Et du coup, le père, il lui répond, bah, virtuellement, on est millionnaire, et réellement, bah, on a 2 putes à la maison. Attends, mais ça c'est pas une blague, c'est un truc, c'est une histoire vraie, ça c'est pas possible. Ah ouais, là, c'est un témoignage. C'est un témoignage là. Bonsoir, bonsoir. Allô les frères. Voilà. Oh, ça va ou quoi ? T'as une bonne voix grave toi, ça va ? Ouais, en fait, c'est même pas une blague, c'est mon daron, il l'a fait carrément. Vas-y. On était à la caisse, elle lui dit « Ouais, est-ce que t'as une carte de fidélité ?» Il lui dit « Non, je suis fidèle qu'à Allah. » C'est tout, hein. C'est un bon ton daron. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre, mon ref, il a quitté. Bonsoir. Bonsoir Mélon et Mélèche. Yo les mecs, ça va ou quoi ? Ouais, ça va super gros, vas-y. Pourquoi les Belges, ils portent un pyjama sur leur moto ? Je sais pas. Quoi ? Je sais pas. Pour se coucher dans les virages. Il a quitté.
là, mais c'est dit, les mecs s'enfuient, frère. Wesh. Wesh, Zach, wesh, Amin, bien. Ça va bien ou quoi? Ça va et vous? Au cas. On a fait la propagande pour que tu viennes. Qu'est-ce qu'une prostituée qui a des problèmes de vue? Je sais pas. Une kahloucha. Bonsoir frérot. Oui, allô, ça va? En gros, t'es le dernier, je t'en supplie, ouais. Termine bien l'émission. Allez, Jean-Marie, je vais essayer de pas bider. Tu sais quelle est la partie du légume qui ne passe pas au mixeur? Déjà faite. Non, c'est terrible. Oui, le fauteuil roulant, déjà faite. Je suis désolé. Est-ce que je peux en faire une autre? Vas-y. On sait jamais. Vas-y. Il y a deux arabes dans une voiture, qui c'est qui conduit? La police. Oh putain, allez, c'est bon, je m'en vais. Il aura essayé tous ses artifices, le frère. Il aura essayé tous ses artifices, ça ne sera pas passé. Écoutez, sur ça, je pense qu'on peut conclure tranquillement le concours de Black 6 et mon live d'anniversaire. Merci à tous d'être passés. Ah, let's go, j'ai trop rigolé. J'espère... Eh ben, tu repasses quand tu veux, je te réinviterai. Après, avec plaisir.